Là, normalement, tu dois voir Andromède. Et si tu te tournes un petit peu sur ta droite, tu dois voir... La grande ours. Exact. C'est bien, ma chérie, t'apprends vite. La grande ours. Non mais vraiment, non mais... C'est pas un ours, ça, hein. Non mais vous avez déjà vu un ours? Ça, c'est un ours, d'accord? Ça, non, ça, c'est pas un ours. C'est à nous que... Vous nous parlez à nous? Qui c'est qui est assez stupide pour voir des animaux dans le ciel? Non mais laissez-moi deviner. Ça, c'est quoi, la constellation de la sardine? Ça, c'est la constellation du scorpion. Quoi? Un scorpion? Non mais, attendez, ça ressemble plus à un Pokémon. Et encore, je ne comprends jamais. Non mais, faut comprendre que c'est pas nous qui avons... Allez, interroge surprise. Celle-là, c'est quoi? L'aigle. Hein? Le centaure. Le bouvier. Non, sérieusement, un bouvier? Non, mais qu'est-ce que c'est? Attendez, il n'y a pas assez d'animaux sur votre planète que vous avez commencé à en inventer? Non mais moi aussi je peux faire pareil. Ça c'est la constellation du Bringingleu. Et voilà, et celle-là c'est la constellation du Falafel. Je sais même pas ce que c'est. Et attendez, pourquoi on se fait chier? Voilà, boum! Allez, des carrés. Mais qu'est-ce que c'est? La constellation du carré. Et là, à côté, bah, la deuxième carré, carré 2. Constellation du carré 3. Oui, monsieur Lavoie. Vous allez arrêter de crier sur mon papa? S'il dit que c'est la constellation du centaure, c'est la constellation du centaure. Moi, ça me plaît quand c'est les animaux. Ça s'appelle l'imagination. Je suis désolé. Je me suis emporté. Attends. Vous êtes fier de vous? Ouais, très mature. Vous pouvez faire ça? Mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est beaucoup plus compliqué. Il y a plein de... Allez! Ok. Ah, y a pas besoin de s'énerver. Hein.